Thank you.
semence. They will take their seeds. Ils vont prendre les semences. And then they will sit under the sun. Ils vont prendre les sièges. Ils vont s'asseoir. And if you have that type of an experience, si vous avez cette expérience, it's normally a sweet experience. C'est une expérience très agréable. And then you feel the sun enter your body. Vous ressentez le soleil qui vous pénètre. And then the cold is gradually gone. Et le froid s'en va progressivement. What you do is basking under the sun. Ce que vous faites, c'est que vous peignez. And so when we come into the presence of God, alors, dans la présence de Dieu, we come to bask in His glory. On vient se planter dans sa we come to dans sit there place. And just enjoy Him. On vient à sa then by the time we are leaving, le moment que the glory place. Of the Lord will go with us. La gloire de Dieu ira His radiance will go with us. La radiance ira we will enjoy Him in our spirit. Là, and that throughout the week, et toute la semaine, we will enjoy God. Dans de Dieu. Welcome into the sunshine of His love. Tell your neighbor, well done for coming. You did just the right thing. Because he looked for the fruit of maturity and couldn't find it.
Et à chaque fois que tu parleras de frapper, you will not go behind somebody to crash a person from the back. Tu n'iras pas derrière quelqu'un pour pas le poignarder derrière. In love, you will speak to edify. En amour, tu parleras pour édifier. And to summarize it all, et en résumé de tout ça, you will become like Jesus. Tu deviendras comme Jésus. Hallelujah. Today, aujourd'hui, we will continue to talk about escaping the devil. Nous allons parler du jeu de ce vin et échapper dans ton tiage. Producing the fruits of maturity. Produisons les fruits de la maturité. Why God desire that we grow? La, pourquoi est-ce que Dieu décide que nous His desire to is that our life will produce fruit. Son désir que notre vie produise des fruits. There are some pear trees that you see there. Il y a certains avocatiers que vous pouvez trouver. Maybe in Douala here. Peut-être ici à Douala. When you go to the village. Lorsque vous allez au village. And you discover that. Vous découvrez que the pear that has been growing in front of the house. Que l'avocatier qui grandit de qui pousse dans la maison very fresh, est devenu des avec des fruits très fraîches year in year out, des années après année there is never food. Mais il n'y a pas de fruits. So it is one thing to grow and produce leaves, alors c'est une chose de grandir d'avoir des fruits et ne pas avoir de fruits. But God's desire for us is not just fresh. Dieu pour nous n'est pas juste la fraîcheur. His desire for us is fruitfulness. Le désir de Dieu pour nous that when others come to you, they should be able to harvest. There should be a harvest. You should be able to get the pear. Donc tu savoir organiser avoir un avocat. Not just the leaves. Non pas juste voir les feuilles. In the parable of the fig tree, dans la parabole de la vie, we are made to understand that cursed is that tree or is that life that grows up fresh without fruit. On nous a fait comprendre que maudit cet arbre qui grandit sans fruit. And so Jesus is not concerned about how fresh you are looking. Alors Jésus c'est là, cela n'importe peu comment fraîche. He's concerned about the fruits you will produce. Son souci c'est les fruits dont vous pouvez porter. And so today from our text, alors Jésus à partir de notre passage, we are limiting ourselves to telling the other cheek. Nous nous sommes limités sur le fait de présenter l'autre jour. Telling the other cheek. Présenter l'autre jour. It is a manifestation of our growth in Christ Jesus. C'est une manifestation de notre croissance en Christ Jésus. When we learn how to turn the other cheek. Lorsque nous apprenons à présenter l'autre jour. As we grow in Christ and relate within and without the Christian community. Pendant que nous grandissons en Christ, nous vivons dans la communauté chrétienne et hors de cette communauté. We face abusive treatment. Nous faisons face à des traitements abusifs. Sometimes this abusive treatment comes from church leaders or church members. Souvent ces traitements abusifs viennent même de nos leaders de l'église et membres de l'église. At times it comes from a close friend. Souvent d'un ami proche. It comes from a business partner. Souvent d'un partenaire des affaires. It comes from a family member. Souvent d'un membre de votre famille. It comes from a boss in the office. Souvent de votre patron au bureau. How do you always feel? Comment est-ce que vous vous ressentez à chaque fois? When you are abusively treated. Lorsqu'on vous traite de manière abusive. What do you do when you are abused and mistreated? Lorsque qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes maltraité? How do you feel? Comment est-ce que vous vous sentez? And what do you do? Et qu'est-ce que vous faites? When as a leader, que lorsque, en tant que leader, someone lies against your leadership. Certains viennent les dire des mensonges. And then someone attacks your leadership. Certains attaquent votre leadership. Maybe it is in a choir like the Pentecostal. Peut-être dans une chorale comme la choir. Maybe in a choir like the Trinity. Peut-être dans une chorale comme la Trinity. Maybe in a group like the Diggins for. Maybe there ain't group on the maybe in a group in the quarter. Maybe there ain't group that maybe amongst your political friends. Maybe amongst politicians. What do you do? Qu'est-ce que vous faites? And how do you feel? Et comment est-ce que vous vous sentez? Naturally, de manière naturelle, you will feel bad. Je vais sentir très mal. When you are best of friends, lorsque votre meilleur ami, they turn their backs against you. De tout, they stab you on the back. Et vous frappe, you will not be happy. When your best of friend takes your wife, when your best of friend takes your husband, many have come to the office and are telling pastor these things and they are crying. Plus sont venus dans le bureau et vont dire au pasteur en pleurs. Your best of friend, votre meilleur ami. Naturally, you will feel bad. De manière naturelle, vous sentez mal. And the next thing you want to do will be to look for an opportunity. La chose que vous voulez faire, c'est de chercher une opportunité. You want to retaliate. Vous allez vouloir riposter. Even if the issue goes to sleep for some time. Même si cette chose vous l'a laissé dormir pour quelque temps. But when the right moment comes. Lorsque le moment indiqué arrive. You want to keep back. Vous allez vouloir riposter. You want to jump. Vous voulez taper. And let the person know. Et que la personne sache. That you not be done right. Que vous n'êtes pas juste. Nobody can confuse you and go free. Et Christians will live this way. Et c'est que les chrétiens qui vivent de cette manière. You don't touch me and then I let you go just like that. Tu ne me touches pas tant que je ne fais pas quelque chose en retour. But Jesus came and taught us a new and better.
better way of life. Mais Jésus nous a appris une meilleure manière de vivre. And those who are Christ-like, ceux qui sont la ressemblance de Christ, and are being transformed increasingly into His image, et qui sont transformés progressivement son image, must live in this new and better way. Doivent vivre dans cette nouvelle et meilleure manière. There is a new and better way. Il y a une nouvelle et meilleure manière. The Old Testament had taught the Jewish nation. L'Ancien Testament a appris la nation juive. And this was the law. Et c'était ça la loi. An eye for an eye. Œil pour œil. A tooth for a tooth. Dent pour dent. It was a tick for tack type of law. C'était une vie de tick à tack. When it was placed there by God. Lorsque ça a été placé là par Dieu. Through Moses. Par Moïse. To cause the nation of Israel to fear crime. À pousser le peuple d'Israël à avoir peur du crime. And to make sure that every crime receives its just punishment. Et c'est à ce qu'à tout crime il y a un jugement, une punition juste. But when Jesus came, lorsque Jésus est venu, he had to reinterpret the law. Il devait réinterpréter la loi. And give to the church. Et donner à l'église. A new and a better way of life. Une nouvelle et meilleure manière de vivre. So much so that when you pull out my right arm. Et c'est même lorsque tu ouvres mon œil. I don't pull out your right arm. I don't. If you were to leave the Old Testament way, sans le vivre de la manière de l'Ancien Testament, we will end up here. So many people with one eye. In this nous avons plusieurs personnes ici bonnes. One eye. And then, some people they wouldn't like five plain they see no they will move again. Certaines personnes qui étaient dans bagarre, ils n'auront plus de dents dans leur bouche. Some one are by error they will move your teeth. Some one are intentionally your teeth will pull out. But God has given us a new way of life. Mais Dieu nous a donné une nouvelle manière de vivre. And Christ changed that old principle. Et Christ a changé cet ancien principe. So that we can go through conflicting situations. Afin que nous puissions aller au travers des situations conflictuelles. And come out better. Et sortir des personnes meilleures. And not come out worse. Et ne pas sortir comme des personnes pires. Turning the other cheek. Présenter l'autre jour. Turning the other cheek is not physically turning your cheek so that someone slaps you again. Présenter l'autre jour n'est pas de présenter votre jour de manière physique puis une autre personne gifle à nouveau. But if it were possible that you turn it and someone here, where far you turn and where, if you have the strength, please do that. Mais si c'est physique, on devait dire présenter ta jour de ton gifle et que tu es dans l'autre point, je vais te présenter votre jour la personne gifle, alors fais-le bien. But don't allow a mechanic to do it. Because if a mechanic gave a slap you, by the time your jaw, you know, the ring away, your neck will go off you. Mais si devant le faire, tu n'auras pas le temps de rire, ton bout sera déjà bien coupé. And so Christ is not talking about turning your cheek physically and you receive here and you receive this way. Alors Jésus ne parle pas de présenter ta joue de manière physique que tu reçois une barre et que tu retournes pour une autre barre. Turning the other cheek means keeping control of your emotions and responses in tense moments. Présenter l'autre jour, c'est de pouvoir garder ton contrôle dans, en temps de pression et de pouvoir garder ta, ton contrôle dans tes réponses à donner. You keep control of your emotions. Tu mets tes émotions sous contrôle. You keep control of your responses. Tu mets sous contrôle tes réponses. In tense moments. Dans les moments de tension. It means refusing to retaliate. Ça veut dire refuser de riposter. It means refusing to take vengeance. Ça veut dire refuser de prendre la vengeance entre les bonnes. Or act under pressure. Sous pression. Turning the other cheek from the divination is not easy. Présenter l'autre jour de la définition que nous voir n'est pas du tout facile. In our power, we will punch back. De notre propre force, nous allons vouloir donner notre coup. And you want to set the record right. Vous voulez mettre tout en droit. Most of the conflicts that take place in our home. La plupart des conflits qui ont lieu entre husband and wife. Entre mari et femme. It's because no one is ready to turn the other cheek. C'est parce que personne n'est pas présent. No one is ready to remain silent for a moment. Pour un moment. The husband hits. Le mari frappe. And then the wife too hard is coming to hit. Et la femme aussi posant la main prête à frapper. And then very soon the voices they begin to go off. Et très bientôt les voix commencent à et après il y a un bagarre dans la maison. We want always to hit back. Nous voulons toujours riposter. That is part of us. Cela fait partie de nous. But we say that turning the other cheek means not retaliating. Mais nous disons présenter le côté mais ne pas riposter. Not taking revenge. Ne pas prendre vengeance. Not acting under pressure. Ne pas agir sous pression. And this is not
always easy. Et ce n'est pas toujours facile de le faire. Christ who gives this new and better way of life. Christ qui a doté à une certaine nouvelle et meilleure manière de vivre. Demonstrates it by his own way of life. L'a démontré par sa propre manière de vivre. In Isaiah's prophetic sermon after the suffering about the suffering servant of God. Dans le sermon d'Isaïe concernant la prophétie du Christ. In Isaiah 53. Dans Isaïe 53. Isaiah makes it clear that he was led as a sheep to the slaughter. Esaïe le père le dit clairement qu'il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. He talks about Jesus Christ. Il parle de Jésus-Christ. How he was led. Comment il était conduit. And he was like a sheep. Il était comme une brebis. And then following those pulling him. Et il suivait ses bourreaux. He went as a fool. Il allait comme un idiot. He did not fight back. Il n'a pas été laissé de part. He had all authority in heaven. Il avait toute l'autorité dans les cieux et la terre. To crush his enemies. Et pour pouvoir piétiner tous ses ennemis. He had all the privileges. Il avait tous les privilèges. With the twink of an hand for angels to come to him. Pour que les anges viennent à sa ressource. Mais il était silencieux. He turned the other cheek. Il a présenté l'autre chose. So that God's plan. Afin que le plan de Dieu. For his life. Pour sa vie. God's plan. Afin que le plan de Dieu. For the universe. Pour l'univers. Will come to pass. Plus s'accomplir. He didn't even say, Father. Il n'a même pas dit Père. This one, you give a candle now. C'est toi qui l'as venu faire l'autre aussi Père. I have done my own. J'ai fait ma part. So it is your own part. Voici maintenant ta part. No, he humbled himself. Non, il s'est humilié. He turned the other cheek. Il a présenté l'autre cheek. And he was beaten over and over. Il a été frappé et frappé. And yet he remained silent. Et là, il est resté silencieux. A maturity. La maturité. Is tested. Votre maturité est éprouvée. When we are trampled upon. Lorsque nous sommes piétinés. When your reputation that you have worked for so many years. Lorsque votre réputation pour laquelle vous avez œuvré pendant plusieurs années. Your good name. Votre nom, votre notoriété. That you have preserved for a very long time. Votre notoriété. And then Mama Suzanne begins to gossip it somewhere. Et que Mama Suzanne commence à calomnier votre nom. And then begin to tell others how bad you are. Et commence à dire partout comme vous êtes. That is when the next fruit of telling the other cheek is tested. When you catch Mami Suzanne in the quarter, lorsque tu vois Mama Suzanne au quartier, and then you get into a fight, et tu commences une bagarre avec Mama Suzanne, what will you do? Qu'est-ce que tu feras? Will you accept? Est-ce que tu vas accepter all the mess? Toutes les saletés. Will you accept the bad name? Est-ce que tu vas accepter le mauvais nom? And go along with it. Et continuer avec ça. Even when others will look at you, mais lorsque d'autres te regardent, they see the picture that others have painted about you. Une fois cette image qui a été peinte par d'autres personnes. You don't care. Et là, tu t'en soucies peu. Tu avances. Our maturity. Notre maturité. Is tested. Est éprouvée. At this level. À ce niveau. When our reputation. Lorsque notre réputation. Is trampled upon. Est piétinée. How you react in such moment. Comment est-ce que vous réagissez en tel moment. Will prove whether you are becoming Christ-like or not. Va démontrer si vous êtes à la ressemblance de Christ ou pas. On our old selves. Dans notre nous-mêmes, notre ego. We will not be able to do anything. Nous serons en mesure de rien faire. Self will come up. L'ego se prendra le dessus. We will want to fight back. Nous allons vouloir riposter. But if we daily trust and depend on the Holy Spirit. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit. We will be able to overcome. Nous serons en mesure de vaincre. Rick Enschroot. Rick. Rick. Enschroot. Enschroot. In his book Conflict Management and Communication. Dans son livre La gestion des conflits. Jesus five principles to bear in mind as you turn the other cheek. Nous donnons cinq principes à suivre lorsque nous parlons que nous présentons l'autre jour. We have five principles to bear in mind as you turn the other cheek. Nous avons cinq principes à mettre à cœur pendant que nous présentons l'autre jour. And the first thing here is. Et le premier ici est. Always be filled and controlled by the Holy Spirit. On a daily basis. Dans des manières de la vie quotidienne. Be filled and controlled. Soit rempli et contrôlé. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. It will take a spirit controller. Ça va prendre une vie conduite et contrôlée par le Saint-Esprit. De ne pas riposter en vous. De ne pas self-control. Rappelez-vous le contrôle. It's one of the fruits of the Holy Spirit. C'est l'un des fruits du Saint-Esprit. And some time ago. Et souvent il y a when we preach from here. Nous avons pris ça par we say self-control. Dans la maîtrise de soi. Is holding your hand tight in your pocket. Even when your spirit is removing it, hold it tight. Même quand l'esprit que fait ressortir la main, tiens ça ferme dans ta poche. You can't hold your hand tight in your pocket. You can't hold it tight. Tu peux tenir ta main ferme dans ta poche. You can't hold your emotions tight. Tu peux tenir tes émotions fermes. When you are not filled and led by the Holy Spirit. Tu ne peux pas les tenir tant que tu n'es pas rempli et comprends. At times we struggle to hold it tight. Souvent nous efforçons pour pouvoir.
physically, de manière physique. But when we get into our bedroom, lorsque nous entrons dans notre chambre, the battle lines are drawn there. Les lignes de mise sont We get down on our knees. Nous allons sur nos genoux. And we begin to call Holy Ghost fire. Nous commençons à appeler le Saint-Esprit. They will not live. My knees. You will see it. Tu verras. Oh no, holy car. Oh non, even fait. In your prayers. Même dans vos prières. Holy car. Be filled and controlled by the Holy Spirit. The second thing in principle he gives us. Le deuxième principe qu'il nous donne. He says accept the reality of unfairness. Il dit accepter la réalité de l'injustice. Jesus in that text makes it clear that there will be wicked people. Jésus dans ce texte le dit clairement qu'il y aura des personnes méchantes. There will be people who will sue us. Il y a des personnes qui nous verront. There will be people who will seek their own interests. Il y a des personnes qui chercheront leur propre intérêt. And say there is some level of unfairness. Alors, People are always thinking of themselves. Les gens pensent à eux. People want their own interests. Les gens cherchent leur propre intérêt. And so when someone wrongs you, alors lorsque quelqu'un vous fait du mal, accept this principle. Acceptez ce principe of unfairness. D'injustice. As long as the world is falling, aussi longtemps que le monde there is bound to be some injustice. Il y aura toujours de l'injustice. There's bound to be some unfairness. Il y aura toujours de l'injustice. And so when you understand this thing, alors, si vous comprenez cela, you're happy. Vous aurez la paix. Hallelujah. You will have peace. Vous aurez la paix. The third principle is this. Le troisième principe est le suivant. Learn from your critics. Apprenez de vos critiques. Those who criticize you. Ceux qui vous critiquent. Each time you step out of the crowd. Chaque fois que vous sortez de la foule. You become a target of unfair criticism. Vous devenez cible des critiques injustes. And that's why many people don't want to be leaders. Because when you're leading, you step out of the crowd. Parce que tu dis, you are before people. The way you talk, la main dont tu parles, criticize you and your wife in the house, criticize your children, critiquez vos enfants, all sort of things they'll do that. Tout ces choses ils le feront. But there is good in that. Mais y a une bonne chose. If you are in a political setting, dans le secteur politique, you stand up, que vous sortez, they will criticize you. Ils vont vous critiquer. The greater your influence, plus grande votre influence, the greater your criticism. But whenever you are criticized, mais chaque fois que vous êtes critiqué, always sit down. Asseyez-vous toujours, prenez du recul. And ask God. Et demandez à Dieu. What is right about what they are saying concerning me? Qu'est-ce qui est juste dans tout ce qu'ils ont dit me concernant? And then you will learn. Et là où tu apprends. No one ever grew without criticism. Personne n'est grandi sans critique. Jesus was criticized. Jésus fut critiqué. Criticized over and over. Il a été critiqué chaque fois, chaque fois. But that is the greatest man that ever lived. Don't be afraid of criticism. And let others see the other side of you that you cannot see. Many of us, we have surrendered the leadership of our lives. And we go about angry. Et nous sommes là, nous sommes en colère. Because others have accused us. Parce que d'autres personnes ont accusé. You go around your face, you see the brother there, your face is down. Tu vas quelque part, tu vas se faire là et tu baisses la tête. Your life is being controlled by what others are saying. Ta vie est contrôlée par ce que disent les gens. But that is not how it should be. Mais ça ne doit pas être ainsi. Your life should not be controlled by what others have or others say against you. Ta vie ne doit pas être contrôlée par ce que les gens disent ou pensent. Your life is controlled by what God has for you. Ta
le dernier principe. He says, take positive action. Il dit encore, prends des actions positives. Or act in a positive way. Ou agis d'une manière positive. In our text, dans notre passage, Jesus says, turn the other cheek. Jésus a dit, présente l'autre joue. Turn the other cheek is a positive way. Présenter l'autre joue, c'est une manière positive. Of acting against the negative which is punched back. D'agir contre l'action négative qui est de riposte. And so if someone were to hit you, alors quelqu'un devait te frapper. On your right cheek. Instead of hitting the person back, au lieu de riposter en giflant également, in a positive way. Agis d'une manière positive. Ma combo. You hit him back. Tu frappes le renvoi. I would say, thank you, sir. Il dit merci, chef. Is that possible? Est-ce que c'est possible? Here we have to act in a positive way. Ici, nous devons agir de manière positive. If a soldier were to force you carry his luggage for 1 mile, si un soldat vous oblige à porter ses bagages pour 1 kilomètre, he compels you to do so. Il t'oblige à le faire. He says, be selfless. Il dit, ne sois pas égocentrique. Go an extra mile. Va à un pas de plus. This first one you force an apostle. La première, tu m'as obligé. But this second one, I'm doing it willingly. Mais cette deuxième fois, je le fais. I'm offering you services right now. Je t'offre mon service maintenant. Positive action. Action positive. If someone were to sue you in court, quelqu'un devait vous faire au tribunal. For your shirt, pour votre and client, then wins the case. Et qui gagne, and your shirt is given to him. Well, to act positively. Remove your coat. Enlevez votre coat. Say you cannot wear that shirt without a coat. Tu ne peux pas porter cette chemise sans une veste. Put this coat on top of it. Mettez également cette veste. You are acting in a positive way. Vous agissez d'une manière positive. We must act in positive ways. Nous devons agir de manière positive. Scripture says we shouldn't repay evil for evil. Mais tu ne devrais pas rendre le mal pour le mal. We should do good to our enemies. Nous devons faire du bien à nos ennemis. We have to be selfless and humble. Nous devons penser moins de nous-mêmes. Before our enemies. Devant nos ennemis. Instead of pulling out an eye for an eye, au lieu de faire œil pour œil, we must love them. Nous devons les aimer. And pray for them. Et prier pour eux. When you begin to feel resentment in your heart against someone, le ressentiment dans ton cœur avec quelqu'un, it is time for you to begin to pray for that person. Pour cette personne. I mean praying good for that person. J'ai dit prier quelqu'un de when you pray for that person, don't end there. Lorsque tu pries pour cette personne, ne t'arrête pas à ce niveau. Pay a visit. Va visiter cette personne. With a good cadeau. And say, I've been praying for our relationship. Et Dieu a prié pour notre relation pendant tout ce temps. And God let me that I visit you and pray with you. Et Dieu m'a conduit avec toi en vous disant, priez pour toi et ta famille. Don't stay off. Ne reste pas loin. And talk evil. Et commence à penser du mal. And build camps. Et bâtir un camp autour de vous. So that by the time you see that person, parce que chaque fois que vous voyez cette personne, you all run for inside your camp. Chacun fuit dans son camp. And you say, Edi camp, Edi camp. Et la personne vient arriver. No, that is babyhood. Non, ça c'est it is not maturity. Il n'est pas la maturité. Produce the fruit of maturity. Produit les fruits de la maturité. The only way you can wipe out your enemy completely, let me tell you this. La maturité que vous pouvez comment mettre à cause votre ennemi que vous dites quelque chose. If you want to deal with your enemy, finish all off. Si vous voulez traiter votre ennemi, que votre ennemi soit pas haut. Maybe forget into calm spirit. Ce n'est pas avoir un esprit de maybe pain. Forget soldiers on your side. Ce n'est pas avoir des soldats autour de vous. No, to deal with your enemy completely. Pouvoir traiter complètement votre ennemi. It is to make en Afrique du Sud. And one day this woman had to confront the killers of her husband.
She's making friends at the Spirit, give us the grace to do so in Jesus' name. Amen.